Filmer la nuit, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à faire, et ce, et ben, peu importe la caméra que vous utilisez, mais à la fin de cette vidéo, et ben, je vous garantis que vos vidéos vont être bien meilleures quand vous allez maintenant filmer la nuit. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques techniques pour pouvoir filmer la nuit comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc ouais, filmer la nuit, ça peut vite être compliqué et donner un résultat qui est vraiment pas fou quand on n'a pas justement les bonnes techniques pour bien filmer la nuit. Alors clairement, la caméra et les objectifs, on peut dire ce qu'on veut, mais ça va vraiment faire la différence, ça c'est sûr et certain, mais ça va pas suffire, c'est pas parce que vous avez une super bonne caméra et des super objectifs que vous allez faire des belles vidéos la nuit. Il y a quand même quelques tips et c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage avec vous mes techniques pour que vous ayez le maximum de chances de faire des belles images la nuit. Et vous allez voir, il y a quelques trucs faciles à faire que vous allez pouvoir appliquer directement à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Offre soumise à aucune condition, vous avez juste à cliquer sur le bouton abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et bien sûr, aucune obligation, mais en plus de ça, ça motive beaucoup quand je vois qu'on est de plus en plus sur cette chaîne. Voir détail de l'offre en cliquant sur le bouton abonnez-vous et en activant la cloche, c'est aussi très cool. J'arrête tout de suite avec mes bêtises. On commence avec le tips numéro 1. On commence avec le tips numéro 1, ne montez pas trop en ISO, surtout eh ben, si votre caméra ne permet pas une bonne capacité justement en low light. Comme par exemple moi, j'avais avant le GH5 et au-dessus de 1000 ISO, eh ben, ça devenait quand même un peu compliqué. Donc eh ben, moi je vous recommande d'avoir vos ISO à la limite du maximum utilisable. Alors le maximum utilisable en ISO, eh ben, ça va être propre à votre caméra. Donc par exemple, je sais qu'avec le GH5, comme je vous le disais, au-dessus de 1000 ISO, ça va être compliqué. Avec la 7 III par exemple, entre 2000 et 2500, on est bien au-dessus, ça commence à être un peu compliqué. Et le X-T4, il me semble, en dessous de 2000 ISO, et ben c'est bien, sinon vous risquez d'avoir énormément de bruit. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si je dis pas de bêtises au sujet de la montée en ISO de votre caméra, et si vous avez un autre modèle, Nikon ou quoi que ce soit, une autre marque, dites-le nous en commentaire quelle est la limite ISO max de votre caméra, ça aidera tout le monde. Donc ouais, la montée en ISO, ça c'est vraiment le truc à faire attention, d'être vraiment à la limite, voire au plus bas évidemment. Si vous pouvez avoir un ISO extrêmement bas, ça sera super intéressant. Et le truc par-dessus tout ça, ça va être le profil d'image que vous allez utiliser quand vous allez filmer, qui va avoir justement un ISO natif différent. Par exemple, sur la 7S III, on a le S-Log 3, l'ISO natif, il va être à 640, et sur le S-Cinétone, qui est un autre profil de couleur de la 7S III, l'ISO, il va être à 100. Donc ça, je vous laisse regarder en fonction de votre caméra, ça va être vraiment propre au modèle, donc faites attention juste, chaque profil devrait avoir normalement un ISO plus ou moins différent. Mais maintenant, c'est cool, on a tous compris que monter en ISO, eh ben, c'était pas bon, mais parfois, eh ben, clairement, on n'a pas le choix quand on est vraiment dans un environnement qui est un peu trop sombre. Et donc la dernière solution quand vous n'avez pas possibilité de monter plus en ISO, et ben ça va être justement d'utiliser un denoiser en post-production. Il y a d'ailleurs Max de la chaîne Pile et Face qui avait fait une super vidéo sur différents denoisers. Je vous mets le lien qui est juste ici, vous allez voir sa vidéo, elle est vraiment top, il vous explique tout pour la partie post-production. En deux, j'avais fait une vidéo sur 5 astuces pour rendre vos vidéos plus cinématiques et dedans, je parlais justement de l'importance de la lumière. Et la nuit, eh ben, c'est encore plus important. Donc, eh ben, déjà, utilisez les sources de lumière que vous avez de disponibles autour de vous pour éclairer votre sujet. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen, eh ben, déjà, de faire des belles vidéos. Par exemple, sur ce shot, on voit la différence avec le visage qui est côté source de lumière. Et justement, on voit une grosse différence en bougeant le sujet. Si je change un peu l'angle de ma caméra, etc., eh ben, on a beaucoup moins de lumière sur son visage et ça met un peu moins en valeur le sujet. Et si vous avez une light avec vous, et ben c'est encore mieux. Moi j'utilise les YC Onion qui font vraiment très bien le job et je vous les recommande d'ailleurs. Et je suis bien fan de ces lights, elles sont puissantes et en plus de ça, avec l'application, vous pouvez contrôler l'application et aussi sur la light, vous pouvez contrôler justement le spectre RGB. Donc là, ça vous permet de mettre les couleurs que vous voulez et ça, je trouve ça vraiment très cool.
En 3, la qualité des lumières. Et ouais, faites attention à la qualité des lumières. Faites toujours un espèce de, un peu un temps d'arrêt avant de filmer. Vous posez la question justement de la qualité de la source lumineuse que vous avez à disposition. On voit sur ce shot, eh ben, la lumière, elle est jaune, donc ça met pas forcément bien en valeur mon sujet. Si je place justement mon sujet donc avec des lumières un peu plus froides, eh ben, là, c'est tout de suite mieux. On a vraiment une belle différence entre les lumières qui sont plutôt jaunes et les lumières qui sont plutôt froides. Mais après, clairement, en fonction eh ben, de ce que vous voulez créer, les lights chaudes, eh ben, justement, ça peut aussi très bien fonctionner. Donc là, c'est clairement et purement un choix artistique. Mais moi, j'ai remarqué de manière générale, et c'est ce que j'utilise très souvent, que ce soit pour mes prods pro ou perso, que justement les lumières aux alentours des 5500 Kelvin, et ben c'est quand même le mieux pour mettre en valeur votre sujet parce que justement elles sont neutres. Le point numéro 4, ça va être de vous servir des éléments justement pour créer un look et donner un style à vos images. Vous pouvez par exemple jouer justement avec la silhouette de votre sujet. Je trouve ça vraiment cool et je trouve que ça donne vraiment un petit effet qui est très sympa. Et sinon, on peut aussi utiliser les lumières de la ville pour donner un style et mettre en valeur justement votre sujet. Vous pouvez aussi jouer avec, par exemple, le bokeh, avoir un beau bokeh derrière. Vous pouvez jouer avec les lumières un peu de la ville. Ça, c'est super joli. Ensuite, le tips numéro 5, l'ouverture. Et bah ouais, utilisez l'ouverture la plus basse possible. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs qui ouvrent vraiment beaucoup, donc ce qu'on appelle des objectifs lumineux. Et ça, justement, les objectifs qui sont lumineux, donc par exemple F2, F2.8 ou même F1.4 et en dessous, ça va être vraiment des objectifs qui vont être très lumineux et vous allez avoir aucun problème pour filmer la nuit. Parce que on le voit bien sur ce shot-là qui a été filmé à F2.8, on a une image qui est quand même assez belle et qui est relativement lumineuse pour une condition un peu de basse lumière. Mais par contre, eh ben, quand on utilise justement une ouverture qui est un peu plus grande, donc comme ici sur cet exemple-là à F4, eh ben, on voit qu'on a vraiment une grosse différence et que la lumière, eh ben, ça met un peu moins en valeur notre sujet. Donc ouais, si vous achetez un objectif, eh ben, faites attention à ça, justement le petit F pour avoir justement l'ouverture la plus grande possible à partir de F2.8, comme moi j'utilise là le Sigma 24-70 qui ouvre à 2.8 et la nuit ça fait vraiment l'affaire, donc vraiment faites attention à ça, les objectifs c'est aussi important. En 6, un autre truc que je trouve vraiment très cool pour justement faire des belles images et ça va mettre en valeur votre sujet et aussi toutes les lumières qu'il y a aux alentours dans votre plan. Et ça va être justement d'utiliser, comme la vidéo que vous avez vue en intro, d'utiliser des filtres pro mist. Donc qu'est-ce que c'est un filtre pro mist? Et en fin de compte, ça va tout simplement diffuser la lumière et ça va permettre justement de créer ce qu'on appelle un glow effect sur les lumières qu'il y a autour. Et en gros, et ça va juste augmenter le halo et donner un petit peu ça va un peu adoucir votre image et justement donner un espèce de halo autour des lumières que je trouve vraiment très joli. Alors il y a pas mal de marques qui proposent ça. Moi, j'ai utilisé les filtres que je vous mets dans la description parce que je trouve que c'est les mieux en termes de halo. J'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de reviews avant de faire mon choix justement et je trouve que le halo des filtres que moi j'utilise, je me rappelle même plus de la marque, je crois que c'est les Tiffen, mais je suis pas sûr, c'est les Promist, ouais ça doit être les Promist Tiffen, mais bref, moi je trouve que le halo justement il est pas trop diffusé et je trouve que l'effet il est plutôt soft parce que j'avais regardé plusieurs marques différentes et on avait certains filtres où on avait vraiment une diffusion qui était trop grande et je trouve que ça adoucit, c'est trop l'image et moi j'aime bien quand même avoir un peu de piqué, enfin surtout du détail dans mes images, donc attention en fonction, évidemment il y a des filtres qui sont pas chers du tout, mais comme la vidéo que j'avais fait sur les filtres, attention avec les filtres pas chers, on a toujours un peu des surprises. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est vraiment super important et je vous en remercie d'avance. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez des tips à nous partager, il existe plein de techniques pour pouvoir filmer la nuit, donc dites-le nous à tous en commentaire. Je suis sûr que parmi certains d'entre vous, il y en a qui ont des techniques super, donc n'hésitez pas à nous le dire à tous en commentaire. J'espère moi que cette vidéo vous sera utile pour justement faire des belles images la nuit. J'ai un groupe Facebook que j'ai créé déjà il y a un peu de temps, on commence à être un peu plus nombreux maintenant. N'hésitez pas justement à venir nous partager vos réalisations, même si c'est des toutes petites vidéos. Venez nous les partager, ça fera plaisir justement de pouvoir échanger avec vous sur le groupe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.